Alors, attaque au corps à corps. Vous pouvez attaquer les ennemis avec X, d'accord? Depuis les échelles aussi. Hein. On vient y percute. Ah, je sais pas, donc je suis je n'en vois pas des tirs donc, avec la croix. Bon, j'espère que c'est le stick aussi, hein. La croix et haut. Et faire une attaque accroupie avec les ennemis. Ben, j'en veux bien, moi, des ennemis. D'accord, bon, on va aller par là, obligatoirement. X. Ouais. Ah oui. Ah d'accord, ça y est. J'ai une épée, une lame, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'uppercut. Ça, c'est une attaque basse. Bon, d'accord. Pour l'instant, on va essayer de copier. On va. Non, bon, ça va. Y a pas de piège. C'est pas Super Meat Boy ou. Ah bah. Vous avez guéri. Vous avez été guéri par le pouvoir de la vie. Vous avez récupéré des doublons, trouvé des pièces, des verrouillés, d'accord. Allez. Apparemment, ah oui, si. J'allais dire, je cherche des pièges, mais il n'y en a pas. Mais si, il y en a. Il y a des ennemis. Ça y est. On va essayer d'avancer vite, hein, parce que pour l'instant. Bon, on va aller par là. Je sais pas par où. D'accord, donc c'est là d'où je viens. Là où j'ai récupéré l'arme. L'ennemi, du coup, il est là. Alors. Il me tire pas dessus, non, ça va. Trois coups. Classique. Ah, d'accord. Du coup, là, tout le blabla. Que j'ai fait pendant Karuga, ça sert à rien parce qu'on n'a pas encore ce principe-là de couleur et de tir qui peuvent changer. Là, je suis que orange. Orange, le pouvoir sombre, donc. J'ai pas vraiment regardé de quoi il était question dans l'intro, là. Une question de 2DS, je crois. Il y a quelque chose là-bas, de l'autre côté, là. Suivant. Bon, on va aller voir. Hein. D'accord. Ah, j'aime bien les cartes à récupérer, mais tu peux te faire toucher. Et en général, tu te fais toucher pour le récupérer. Mais voilà. Exactement. Point de passage activé. Oui, il y a une carte, peut-être la carte elle me dit où est-ce que la fin du niveau se fait. Afficher la légende. Ah bah dis donc. Porte ouverte, porte fermée, téléportation, transition, amélioration, légende, point de passage actif. Bon, on va chercher partout. Hein, ah, mais je suis déjà passé par là. D'accord, bon, on va aller plutôt du coup de l'autre côté. Mais là aussi, je suis déjà allé. Oh, il y a l'air de rien avoir là-bas. D'accord. Il est joli ce niveau, hein. Tout plein d'ombre. Ah oui. Les ennemis, ils sont orange comme moi, mais les bleus, ça ne leur fait rien. Un peu étrange. Allez, hop. Là, voilà, un petit saut pour timer. Partie sauvegarder. Allez. Je sais pas s'il y a un signe qui indique qu'un ennemi va sortir de la terre, là j'ai pas fait gaffe. Si on voit au bout de leur tête ou quoi. Vous pouvez balancer un uppercut à vos ennemis. Ah oui d'accord.
Faut que ce soit bleu peut-être. Mais j'ai pas encore le truc. Peut-être je l'ai déjà, mais je sais pas. Combien est-ce que j'active mon énergie bleue? Hein? Oula. Ça c'est des tirs, hein? Ouais. Bon, il va falloir faire plus attention, je pense. Parce que là, je récupère des cœurs, ça va, mais... Voilà. Alors, je sais pas si ce jeu est réputé dur ou pas. Je sais pas du tout. Hein. Bon, un cœur là-bas, on va aller chercher. Alors, d'accord, ouais. Je m'accroupis là? Qu'est-ce que je peux passer? Non, je peux pas passer. Ah si, attends. Hop là, ah, mais si, je peux faire une petite glissade là. Mais faut que je cours, hein, je vais pas passer. Il me faut de l'élan. Alors, hop là. Donc merci Eldudu, si tu regardes cette vidéo. Parce que sinon je serais passé à côté de la promo, voilà. Et en même temps, je passe le bonjour à toute personne de Hooper.fr qui passerait, qui tomberait sur cette vidéo. Alors, là-bas, il y a un gros truc rouge qui clignote, ça doit être... Alors c'est... Un prochain objectif, d'accord. D'accord. Bon alors, il faut que je passe par là. Allez. Qu'est-ce que c'est là-bas? Hop là. Ah, ouf. Wow. C'est bon. Là, je me fais pas toucher. Glissade, d'accord. Donc glissade sans élan du coup. Enfin, vous pouvez utiliser la glissade bas et A pour passer sous les obstacles ou frapper les ennemis. Frappez-les et ils seront projetés dans les airs. D'accord. Ça sort le combo avec les percutes. Bon, je retourne pas où j'étais tout à l'heure, là où apparemment je pourrais plus utiliser la glissade. Mais quoi que si, je vais être obligé. D'accord. Bon. Oulala. Ah ben, j'ai pas pu. J'ai pas pu, je l'ai dans le... Si tu avances et je recule, comment veux-tu? Non, bon. Donc on va aller ailleurs. Mais rien là-bas. Ah si, 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 si. Je peux. Voilà. Hop, non, non, ouf. Hop là. Voilà. Ici, c'est safe. Et du coup, voilà, on va aller quand même la tuer celle-là. Oula. Ah zut. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Attends. Alors là, ici, je fais... je monte là-haut. Je monte. Allez. Ah. Il y a certains jeux... Il y a deux types de jeux, en fait. Les jeux où vous pouvez passer à travers une plateforme pour sauter dessus. Et ceux où vous ne pouvez pas. Voilà. Appuyez sur l'interrupteur pour l'activer.
Ça? On dirait. Je regarde d'abord si il se désactive au bout d'un certain temps. Écoutez, apparemment non. Pour l'instant, pas vraiment de difficultés. Je sais pas s'il est long non plus, donc je sais pas s'il est dur, je sais pas s'il est long. En fait, je l'ai acheté sans savoir quoi. La compétence lancement est requise pour utiliser la rampe. Bah écoute, je pense pas que je l'ai, hein, on m'aurait déjà indiqué, je pense. Je pense qu'il faut avoir un peu de réflexe. Quand vous voyez un ennemi apparaître, bien pensez à sauter pour diriger le saut vers l'arrière. Ah, ça y est. Ah oui, d'accord, j'étais orange. Maintenant, ça sera rouge ou bleu. D'accord. Ah, c'est bien ça. Sombrer. Je ne vais pas faire une voix de. On va pas se lancer là-dedans. D'accord. Il prend la pause là? Alors d'accord. Toujours les mêmes armes. Et avec une gâchette là, je deviens bleu. D'accord. Et j'ai plus de cœur. D'accord. Là, je suis dans le passé apparemment, si j'ai bien compris. Je suis revenu il y a bien, bien longtemps. À l'époque, sans doute, où l'équilibre... des deux énergies avaient son importance, je sais pas. Ça veut dire quelque chose dans ce bout-là. D'accord, je peux changer quand je veux. D'accord. Quand il y aura les ennemis, ce sera la panique. Avec les esprits de la pureté et de l'obscurité, vous pouvez utiliser des objets ayant le même alignement, résister aux énergies de l'esprit. D'accord, bon. T'es rouge, t'es bleu, on a compris, oui, il n'y a pas de. Alors, hop, bleu. Ah non, d'accord, oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Et voilà. Et voilà. Alors, là, on va se mettre rouge. Hein. Ah, bah là, ça me plaît vachement mieux. Hein. Alors là, bon, c'était quoi ça? Des pièces? C'est pas tout. Ah, apparemment, si. Je voudrais voir si je peux me blesser en sautant en tombant de très haut, là. Non. Tant mieux. Oh là! Ah, c'est dans le décor, ça, c'est pas des trucs à éviter. Je crois pas. Non, non, mais non, non, c'est dans le décor. J'ai cru qu'il fallait les éviter, là, les espèces de gros rochers. Allez, hop, tout en bas. Bon, ça, c'est. Ah, si, d'accord, hypercute. Et là, voyons à quoi ça ressemble. Il faut que je monte. Bon bah. Il veut pas monter plus rapidement. Sinon, autre chose, là je joue avec le son de la télé. Avant, je ne le faisais pas parce que j'avais peur qu'on entende le son de la télé à travers le micro avec lequel vous entendez ma voix. Donc, du coup, je ne mettais pas le son du tout. Je pensais que ça serait très chiant pour le montage. Donc, du coup, là, j'essaye, on verra bien. Comme ça, je serai une fois pour toutes si c'est mieux ou pas. Si ça me prend plus de temps du coup pour régler le son de l'audio par rapport à la vidéo pour ajuster les deux. On verra bien. D'accord, là. D'accord. Ah oui, mais je crois que c'était bloqué là. Je crois que c'était une paroi. D'accord. D'accord. Pouvoir des esprits. Avec les esprits de la pureté et de l'obscurité, vous pouvez aussi blesser les ennemis. Ah bah ça. C'est un ennemi ça, d'accord. D'accord, ça ne fait rien. Je tape en bleu. Est-ce que les ennemis, du coup, me touchent si je suis dans la mauvaise couleur, dans la bonne plutôt? Je sais pas encore. Voilà.
Pour l'instant, les ennemis me tirent pas dessus. C'est tranquille. Les espèces d'araignées là. Allez. Alors, je peux pas le prendre, d'accord. Il y a deux types de jeux. Les jeux où vous pouvez prendre de l'énergie même quand vous êtes full. Et les jeux où vous ne pouvez pas. Hypercute. Ah, d'accord. Ah, il change de couleur. Ah, magnifique. Ça, c'est sympa, c'est bien trouvé. Alors, il y a des tirs, il y a de la plateforme. Et le décor qui s'effondre. J'ai l'impression d'être tout petit. J'ai l'impression que notre personnage est dans son monde là, dans. Sur sa planète, non, mais bon. Ils sont tout petits, donc. Et du coup, je peux passer à travers une plateforme bleue. Ah, oui, ça, c'est bien ça. Allez, au prochain. Voilà. Voilà. Ici. Là. Et raté. Je vais faire du wall jump, hein. Je vais me servir de ça, hein. Ça sera plus simple. Pourquoi se priver, hein. Voilà. Donc moi, les jeux plateforme ou qui demandent des réflexes, j'aime beaucoup ça. Hop là, hop là. Ici. Juste des pièces. Écoutez, il me plaît bien ce jeu. Je pense que je suis parti pour un petit moment. Donc sûrement plusieurs vidéos. Je ne sais pas si ça sera défi de vidéo, le nom. Parce que j'ai déjà essayé de faire défi. C'était Super Goose and Ghost. Ça m'avait bien plu, mais... je pense pas que j'étais arrivé au bout. Non, je suis pas arrivé au bout. Je suis arrivé au bout de mon défi, mais pas au bout de toutes les vidéos. Ah, un ennemi qui tire. Ah, lui, il change pas de couleur. J'ai peut-être rêvé tout à l'heure. Hein. Il a pas changé de couleur, il est cru, mais. C'est possible. Ah, téléphone. Ah, les faux numéros. J'adore ça. Du coup, j'ai coupé mon téléphone. Bon, je sais pas, ça fera environ 40 minutes là, donc ce sera bien pour une première vidéo sur ce jeu-là. Je vais continuer à jouer, c'est sûr, là. Y enregistrer, capturer, etc. En tout cas, je vous dis à bientôt donc, pour une prochaine vidéo sur ce jeu. Outland, Xbox Live Arcade. Voilà, qui vient d'être en promo. Je sais pas si c'est, la promo est une durée limitée. Je sais pas. Donc 400 Microsoft points. Ça doit faire 4 euros, il me semble bien, ou un peu moins, ou un peu plus, quelque chose dans ce goût-là. Je connais pas très bien les conversions. Voilà, allez, salut, et à bientôt dans une prochaine vidéo.